Ok, lui il a une bombe gazante, ok. Bon alors, du coup, on retrouve un parapluie, on regarde des ifs, et que putain, ça suffit efficace pour désherber. Depuis quand tu as Véro à ta porte? Depuis que ma mère n'arrête pas de débouler dans ma chambre quand je... Ouais. Quand on bosse sur ses projets secrets. Ouais. On sait de quel projet tu parles. Attendez, je vais ouvrir la porte. Dustin peut ouvrir les portes et coffres avec des écrans de sécurité. Ok, mais qui sait hacker des trucs. Interagir avec un écran de sécurité en incarnant Dustin et trouver la bonne séquence de boutons avant la fin du temps imparti. Ah, il a carrément bricolé un truc comme ça. Ok, on a trouvé le ruban. Tu t'es fait dévorer par un ver, putain. Oh mon dieu, putain, il m'a pété les chiottes. C'est nerveux. Bon, la partie de la baraque, on l'a pas faite. Là. Deuxième item trouvé. Reste plus que le parapluie. Bon, ils ont des maisons bizarres, avec des caisses aussi vides que quelques caisses. Et le parapluie, les gens. Super, on a trouvé tout ce dont on a besoin. On va tout installer dans mon atelier dehors pour construire l'antenne. Ok, alors, je crois qu'il n'est pas nous suivre, mais il nous suit. C'est parti pour la séance de bricolage. C'est des lacs. Ok, t'en es fabriqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce vieux machin? C'est pas un vieux machin. C'est un élément complexe faisant partie de la surprise que qui vous attend. J'ai installé le reste au Mont Soul. Soul, peut-être. Une fois sur la place. J'attirerai l'antenne. Bon, putain. J'ajusterai l'antenne et ce sera génial. C'est promis. Ok, galère à lire. Allez, c'est parti. On va au Hamon. Pénétrons chez les gens. C'est bon, on l'a gazé. Non, pas besoin de trucs. Il faut trouver comment ouvrir ça. Bon. Ok, ça nécessite quelqu'un de plus fort que peut-être pour plus tard. Exactement, pour pouvoir appeler sa copine. Putain, mais tout est excuse pour une petite quête, quoi.
crois qu'on est bloqué par ces rochers. Je m'en occupe, grâce à ma capacité spéciale, je peux détruire ces rochers. Chaque personnage a une capacité spéciale unique qui peut être utilisée en combat ou pour continuer d'explorer Hawkins. Activez votre capacité spéciale avec X. Les capacités spéciales requièrent de l'énergie. L'énergie peut être restaurée en massant des boules ou buvant du soda. Oh putain, merde. Ok, lui c'est peut-être une petite bombe. Il y a un distributeur de soda dans la remise près de l'entrée si on a besoin d'énergie. Putain. Dieu, il est déjà attaqué par les Russes dès le début du jeu. Putain, ce lance-pierre avec une mini-grenade. Ouh, ils ont pris cher. Pourquoi tous ces types effrayants traînent au mont? Aucune idée. On a passé quasiment tout l'été à Starcourt. Tranquille. Ah, j'ai pas d'énergie. Où sont les pièces du cérébro? Petite dédicace à X-Men. Il n'y a que des tas de caisses de patates. J'adore les frites, comme tout le monde. Ok, on est content de savoir qu'il aime les frites. Bon, c'était pas là. On retourne en arrière. Tac tac tac, on va essayer par ici. Et pitié, il veut juste appeler sa copine à la radio. Merde, putain. Voilà, oh, je prends cher. Ah, Y et Y. Regarde, une des pièces manquantes. On va bientôt pouvoir appeler Justine. Attends deux minutes, je vais revenir. Voilà. Alors, regardez une partie des pièces. On va bientôt pouvoir appeler Suzy. Et on pourra bientôt rentrer et continuer à en chercher. Ok, tu sais le kit de soins, il est full énergie. Ah, c'est à gauche. Putain, dangereux de se promener, Hawkins. Chiffon. Ok, lui, on déverrouille B, A, Y. Y, X, A. Ok. On va essayer par ici. Il manque plus qu'une pièce. Alors, on désire tous ces arbres! D'accord, les personnages principaux nous rushent dessus. Pourquoi il y a une radio ici?
Peut-être que quelqu'un essaie de contacter sa copine. Touché. Tu entends les bruits du centre commercial à travers la radio. On continue d'écouter. Tu entends une chaise racler le sol. Tu entends les bruits du centre commercial à travers la radio. Ok, on va changer de fréquence. Tu entends un bureau à travers la radio. Bon. Rien d'intéressant. Allez, on le gaz. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas ici. Évidemment, c'est une petite ville. Ok, je sais pas de quoi ils parlent. Y, X, A. Tac. Ah, le dernier va être là. X, Y, Y. Ok, une autre pièce, plus qu'une à trouver. Ok, on en a deux sur trois. Je pensais qu'on avait plus que ça. De l'argent dans cette mauvaise herbe. Putain, il prend en boucle. Ok, on peut pas boucle, toi t'as pas éliminé ta ordure. B A A A A P. Bon, non, on a eu de l'équipement, mais pas ce qu'il faut. On va continuer par là, du coup. Ça prend des plombs. Le mec, il se fait agresser par des Russes, mais tout ce qu'il veut, c'est dire, oh, on rentre chez nous tranquillement. Pourquoi ils en ont après ma radio? C'est peut-être des extraterrestres déguisés. Quoi? Ouais, ils ont besoin de pièces pour téléphoner maison. Préférence IT. Vous êtes nul. Ah, on a plus d'énergie. Un clou. On va tourner là où il y a l'antenne radio. On a dû rater un endroit. Mange mon insecticide. Des esprits du tonnerre. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une pièce en bas. Attendez, c'est depuis combien de temps? J'en sais rien. C'est aussi la première fois qu'on vient. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire ici pour réparer sa radio? Putain, là-dessus, tu lances carrément des cocktails Molotov. Oh, je suis un fucker.
On aurait dit qu'il creuse un tunnel. C'est bizarre. On doit se concentrer. Les pièces du cérébro ne sont clairement pas ici. On pourrait fouiller plus tard. Venez. Ok, bon, on est venu là, mais les pièces sont pas là, quoi. Fais chier. La recherche des pièces. Ah voilà, on va prendre le plan, moi on verra mieux. Là il y a une grille, on peut pas y aller. Là c'est là où on vient. Ok, bon on va essayer là-bas, mais je suis pas sûr. Nécessite un coup d'ongle. Attends. Ah, on peut pas jouer max, peut-être que c'est elle qui aura eu le coupon là. Bah du coup c'est où qu'il faut aller. Là on a visité. Ouais. On a récupéré du thon, c'est déjà ça. Moi, c'est un endroit qu'on est déjà passé et que on l'a pas, enfin je l'ai pas ramassé. Ah, désolé, j'en fouille un peu du coup. Je cherche où c'est. Si on peut pas passer, il y a une grille. Là, on l'a récupéré. C'était la radio. Ok, non. Ça sert à rien, en tout cas pas pour avoir les pièces manquantes. Là on a été, on a déverrouillé. Il y avait un coffre ici. Rien à ramasser. Là non plus. Si vous avez une idée, les gens sur le chat, n'hésitez pas. Ce pouvoir, ça permet pas de péter les grilles. Ici, on repartirait. On peut pas le péter. Capacité ralliement oblige tous les ennemis à attaquer Mirich. Ok. Donc lui il a pas capacité musculeux pour bouger ça.
Suzy, t'es pas tendre, Max et Virginie, tac. Regarde si une personne est parfaite. Ah, vraiment. Calme-toi, je plaisante. Ah putain, il y a cette partie-là qu'on n'a pas faite. Trouvé. En plein milieu, quoi. Cet homme bigleux. Ah, voilà. Alors, débloquer défie une grande partie des dégâts reçus et donne un boost de contre-attaque. Pour un coup, laps de temps. Activer le avec B. Mais maintenant, le trop. Mettez trop de temps et vous serez étourdi. Ok. Ok, c'est une espèce de petite bulle de protection. Regardez la pièce manquante. Tu te donnes vraiment du mal pour faire semblant d'avoir une copine, Dustin. Je ne fais pas semblant. Venez, retournons vite, Cérébro, et je vous le prouverai. Ok, c'est bon, on a toutes les pièces maintenant. Bon, donnez-moi une minute pour préparer le Cérébro et on pourra appeler Suzy. Tant que je peux m'asseoir, pendant que tu fais ça. Suzy, Suzy, tu me reçois? Bon, apparemment, son appel ne marche pas trop bien. Ok, les gens se barrent. Ok, c'est là où ils captent une conversation russe. La transmission russe que je vous ai enregistrée doit être importante. Il faut que j'en parle à Steve. Important, mec? J'ai pas le temps pour tes jeux d'espion. J'ai un rencard avec Elf. Sérieusement? Attendez les idiots. Où est passé Will? Allons d'abord retrouver chez toi, Mike.